Donc yo tout le monde, c'est FLZegoman pour une nouvelle vidéo. Donc après un mois et demi d'absence sur ma chaîne, on se retrouve pour un nouveau big haul. Voilà, avec mon super accent. Voilà, alors il s'agit d'un haul que j'avais prévu assez depuis longtemps d'acheter. Je vous montrerai ça de suite. Alors là j'ai caché l'adresse et tout. Donc j'ai ouvert le carton avec vous. Hop là. C'est bon, nous avons ouvert le carton. Alors, j'ai acheté sur Lego Shop. Du coup, vous avez un pack surprise à partir d'un certain set d'achat. Voilà, j'ai une figurine assez sympa. Je mettrai dans un parc, je sais pas où, dans ma ville. Voilà. J'aime bien. Et ensuite, bien sûr, nous avons plus gros. Voilà. Nous avons le restaurant parisien. Alors, voilà, j'ai acheté ce modular parce que. C'est si béto qui a pu être en vente. Voilà, il sort en 2014. Il est très beau, hein, franchement. Voilà, je vous ferai la review. Donc, je vous montrerai la globalité des sets. Donc, voici mes achats en fait. Voilà, de juillet 2018. Donc, ça sera le plus gros achat de cette année, je pense. Hein. Voilà, clairement. Donc, il s'agit du restaurant parisien qui a 2469 pièces. Voilà, c'est un éco-créateur expert. Hein. Je vous montrerai un peu la boîte vite fait. Voilà, là vous avez l'arrière du bâtiment, l'avant, les dimensions. Là vous avez la scène, une scène voilà. Ici vous avez l'intérieur, voilà, très stylé. Hein. Je vous présenterai tout ça dans la review en détail. Voilà. Avec les niveaux ici. Et là vous avez les anciens modulars voilà, qui sont sortis auparavant. Donc voilà, moi j'ai celui-là. Bon, celui-là je l'ai pas, c'est pas mon préféré celui-là. Bon, il est pas mal quand même pour cette coupure. Hein. Donc voilà, je vous mets l'ensemble des sets. Voilà, la figurine et le restaurant parisien. Et du coup, on se retrouve très prochainement pour la review. Allez, salut!